My Haitian brothers and sisters, and my brothers and sisters from all ethnicities. As you know, my name is Matthew Eugene, and I'm the New York City Council member representing District 40. Today, I have a very important message for you regarding the Haitian TPS and the Haitian Flag Day. Every year, I host a successful event to celebrate the Haitian Flag Day in New York City. But this year, in light of the difficulties facing the Haitian brothers and sisters with TPS, and after consultation with my team, we have decided not to host a celebration for the Haitian Flag Day. We know that the Haitian Flag Day represents one of the most glorious moment in the Haitian history. And the Haitian Flag Day represents also one of the most important achievements in the struggle of freedom, liberty, and human dignity for the humankind. And every year, we proudly celebrate the Haitian Day. But this year, because of the difficulties facing our Haitian brothers and sisters with TPS, we have the moral obligation to show them solidarity, to express our solidarity to them. And let me say that the Haitian Flag Day should remind us also the solidarity and also the sacrifices of our ancestors in face of difficulties. And to all of you who are part of the struggle for the extension of the TPS, all of you who have prayed, who have advocated for the extension of the TPS, from the bottom of my heart, thank you very much. Now, this is the moment to continue to fight for the extension of TPS. And I'm asking you to continue to unite and to put all your resources together to urge the Secretary of Homeland Security and the President of the United States to extend the TPS for more than 50,000 Haitian people who desperately in need of this humanitarian gesture. To all of you who pledge to continue the fight, to continue the struggle, one more time, on behalf of all my Haitian brothers and sisters, thank you very much. To my Haitian brothers and sisters who speak Creole, for Maxime, comme nous connaissons, normalement c'est Mathieu Eugène. Moi-même, c'est un membre du gouvernement américain à New York. Moi-même, c'est Fonou, c'est Petite Nou, c'est Zamine. Yon na Fonou, yon na Petite Nou, na Zamine, que bon Dieu a l'opportunité pour nous servir dans le gouvernement américain. Comme nous connaissons chaque année, nous toujours célébrer la fête du drapeau, 18 mai. Ils sont faits que nous toujours fiers de nous fêter. Ils sont faits que nous tous haïtiens nous supposons fiers. 18 mai, ce moment qui rappelle nous, eh bien, gros épopée, grande victoire que nous, les haïtiens, nous avons remplis dans le monde entier. C'est-à-dire qui te fait le monde entier étonné. Fête du drapeau, son grand accomplissement lié, eh bien, dans la bataille pour la liberté, dans la bataille pour respect humain. Et fête du drapeau, son bagage n'est pas bien capillé. Mais cependant, à Nessa, à cause des difficultés que Frère Sonio qui est TPS là, a traversé, à cause du moment difficile ça, que yo a rencontré dans la vie aux États-Unis, après m'te fin faire plusieurs meetings avec le comité moins, mon qui qu'on organisé fête du drapeau ensemble avec, nous décider pour ne pas célébrer fête du drapeau à Nessa. Son fête nous toujours content, nous toujours fiers pour nous célébrer. Mais cependant, dans un moment difficile ça, que Frère Sonio qui est TPS à traverser, nous avons un devoir moral
nous avons une obligation pour nous camper en solidarité avec Frère Sonio, Captain DPS, qui pas connaît exactement sa quoi le passé, qui pas connaît sa future, sa avenir, futur et l'avenir petit yo, avec Madame yo, Marie yo, Frère Sonio, à côté de lui-même. C'est pour raison ça, pour nous montrer solidarité nous, avec Haïtien Captain DPS, nous pas célébrer Fête du Drapeau aujourd'hui. Et pour tout le monde qui a célébré Fête du Drapeau, vous voyez tout sous moi à vous-même. Mais cependant, le moment ça qu'il y a là, ce moment que nous tous Haïtiens, avec les amis Haïtiens, nous supposons rassembler, unis nous, pour nous battre, pour nous voir si le gouvernement américain a renouvelé TPS pour Haïtiens. Et pour tout le monde qui était dans la bataille, tout le monde qui est toujours dans la bataille, qui a lutté pour renouveler, pour extendre TPS la croix ici, je vous remercie en pile. Et maintenant, de nous, pour nous tous continuer la bataille là, pour nous tous mettre toutes les ressources, toutes les forces pour nous, ensemble, pour nous demander, secrétaire en main de sécurité, avec le président pays ça, président États-Unis, pour renouveler TPS la croix ici. Je dis à venu devant nous pour demander nous pour nous continuer pour nos batailles, pour nous continuer pour nous advoquer, pour nous continuer pour nous faire effort, pour nous tous rassembler, pour nous voir si Frère Axonio a trouvé le résultat que maintenant, renouvellement, extension TPS là. Merci beaucoup, que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu garde les familles. Merci.